l'internet, je m'appelle Raikondi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on est sur Skyphone version 2. Aujourd'hui les amis, on va faire une petite nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Je pense que ça pourrait vraiment être amusant. Donc si vous savez pas c'est quoi Skyphone, c'est un serveur Skyblock. Dans le fond, j'ai pas de grade ou quoi dessus, je suis un matelot. C'est un serveur Skyblock et j'ai jamais vraiment joué en Skyblock. Fait que je me suis dit, ah, c'est une bonne opportunité de jouer. J'ai déjà vu des vidéos Skyblock, j'ai déjà écouté les vidéos de Camping Rusher. Il fait des vidéos Skyblock depuis quand même un petit moment. Je trouvais ça quand même intéressant parce que ben, c'est un peu comme la survie, t'es sur ton île, etc. Et puis je pense que ça pourrait vraiment être cool qu'on fasse la série, une série comme ça ensemble. En gros, genre, faudra commencer avec une île sur notre île, ensuite l'améliorer, etc. Puis faire des challenges, etc. Il y a des challenges à faire, il y a plein de trucs à faire. Et puis, vous n'avez pas d'île. Oh, il faut avoir une île avant pour y arriver. On va créer justement notre île, mais juste avant, je voulais vous dire que c'est Skyphone, c'est une filiale de Icaria. Donc si vous voulez rejoindre, l'IP est dans la description, c'est le serveur Icaria. Ensuite, vous allez dans le lobby et vous cliquez sur Skyphone 1. Il y en a deux serveurs Skyblock. Nous, moi, je joue sur le 1. Il y a peut-être d'autres gens qui jouent sur le 2, je sais pas, mais moi, c'est le 1 que je joue et c'est en 1.8. Donc, voilà. L'IP, ça doit être play.icaria.fr ou MC, là, je sais pas. Je l'ai dans la description. On va se promener autour du spawn, voir vite fait. Je me suis connecté avant hier. Il est vraiment beau, le dragon, là. Je me suis connecté avant hier, puis ouais, j'ai regardé un peu. Je cherchais quand même des serveurs Skyblock un peu. Puis j'ai trouvé ce serveur-là qui a l'air assez stylé. Et puis, ben ouais, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est une clé. Clic gauche pour. Ah, ok. Ben, je vais aller voter après pour essayer d'avoir une clé. Avec cette commande, warp nether, nouveau. Ok, quand on est gradé, on a des nether et tout, ok. Ok. C'est quand on gagne des events, il y a des affaires à gagner. C'est pas des trucs super cheat, est-ce que je peux comprendre? Je sais pas si c'est trop exactement, je connais pas trop ça, donc vous me direz. Bienvenue sur le serveur Skyblock 1, nous sommes sur 4 connectés, il est 9h47 du matin en France, et ça vous souhaite une bonne écoute. C'est quoi qui est ici? Wesh, Canapèche, Loïc, ça c'est genre, ça doit être genre les membres du staff. Ouais, c'est ce que je pensais. Salle des ex-staff, ça c'est les joueurs qui sont fait renvoyer, donc adieu, t'étais nul, toi aussi t'étais nul, lol. Donc, allez, on va, c'est quoi ça ce grade-là? Guide, ok. Ok, good, 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 comme ça, si on a des questions, on pourrait les demander au guide. Commençons par... Ouais, j'ai cliqué sur le gars. Ok, attends, on va lire le chat. Histoire, tu veux savoir quoi? Je crois que les ennemis sont fait un clic sur la pancarte derrière toi. Et tu verras. Je crois qu'il faut cliquer ici. Ok. Ce message disparaît lorsque vous êtes... Ok. Arrivé à destination dans 3, 2, 1. Mais où sommes-nous? C'est moi qui ai dit ça. Oh non, non! Où sommes-nous? On est dans l'an... 1309. What the fuck, là, il y a plein de gens qui parlent, puis tout. Il y a Dark Vader, il y a Animal. Bonjour. Il y a plein de gens, c'est traumatisant. Hey, c'est les plugins, ça rend fou. Bref, on était où? Mais moi, je vais retourner au spawn. S'il vous plaît, ramenez-moi au spawn. Allô? Toi, là, ramène-moi au spawn. Ramène-moi au spawn, toi. Alchimiste. Oh, ok, merci. Là, ça dit quoi? Ah, vous avez été téléporté au spawn. Merci. J'ai gagné une raille aussi. Super. Génial. On va cliquer sur d'autres PNJ, voir. Attends, 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 attends. Oh, attends, c'est quoi, lui? Fisherman. Attends, on va cliquer sur lui. Oh. Hé, hé, viens ici! Toi, viens ici. Police des poissons, donne-moi ces poissons. Ah, ok. Ben, j'ai pas de poissons, gros PD. Fait que peut-être qu'il faudra lui ramener des poissons un jour, je sais pas. Lui, ça nous amène sûrement un jump. Quel jump? What? Ah, ok. Bon, on va abandonner le jump, hein. Trop compliqué pour moi. Alors, on va cliquer sur lui. Le menu tri. Oh, ok, il y a un menu. Donc, les stats, j'ai 20 heures, 300 de monnaie, ok. Clique ici pour voir la liste du staff. Comme cosmétique, on peut avoir des gadgets, j'imagine. Le menu des warps, donc on peut se téléporter. Aller sur mon yes, ça c'est notre île à nous. Ok, on peut se téléporter, aller sur la map event.
War Pitch Out, il y a des jeux dessus aussi, la zone PVP. Oh shit, c'est nice, ok, c'est cool, c'est cool. On va commencer par créer notre island. Voilà, on fait juste slash IS, ça nous amène. Et là, on est sur notre île, donc on commence avec une petite île. J'aime bien le concept de leur île à eux. Donc ici, on a quoi? Astuce, tutoriel, conseil, règles, démo, bon bref, bon là. On a quoi que pour commencer avec? Oh, on a un peu d'items. Fait que là, le but, ça va être de... Dans le fond, de commencer comme ça. Faudra, je pense qu'on va commencer sûrement par couper l'arbre. On va faire du pain parce qu'on aura besoin de se nourrir. Donc, on va commencer par faire du pain. Ensuite, hop là, il faudra faire un générateur de cobblestone. Donc, on va prendre l'eau qu'il y a là. Mais avant, il faudra miner un peu. Ouais. Je pense qu'il faudra miner. Donc, on va prendre la pioche. On va juste faire ça comme ça pour l'instant pour avoir un peu de pain pour pouvoir manger. Parce que sinon, on ne pourra pas manger. On va mourir de faim. Ok, je suis cave, il y en avait dans le coffre. Lol. Ok, comme ça, on va juste prendre une petite pioche vite fait. Et on va prendre les trois de fer, on va le faire cuire ensuite. Et puis, on va se faire un bucket d'eau et un bucket de lave pour pouvoir faire un. Ça nous en prend 6 pour faire deux buckets, si jamais. Ok, attendez un instant. Voilà, on a un 6. Super. On va mettre ça là-dedans. On va prendre du charbon, j'en avais vu. Ouais, juste là. Comme ça. Ensuite, on va faire un bocal de lave. Comme ça, on aura un bocal de lave et un bocal d'eau. On peut casser ça. Ouais, on peut, ok. J'étais pas sûr. On peut casser ça, fait qu'on va casser ça vu qu'on n'aura pas de besoin. Et puis, on va faire aussi quand même le style d'un trill. Je veux quand même que ça soit beau. Hein. Vous me connaissez, les gars, j'adore quand les trucs sont beaux, etc. Puis en plus, je pense qu'on peut visiter les îles des autres. Il y a des marchés, puis tout, je crois. Attends, c'est-tu HDV? Voilà, il y a des joueurs, on peut mettre des affaires en vente et tout, on peut acheter aux autres joueurs et tout. Ça peut vraiment être stylé. Ouais, désolé, je suis malade, donc j'ai commencé à tousser, je vais couper ça au montage, les amis. Donc voilà, on a aussi de la canne à sucre, on va la couper. Voilà, on va prendre nos trucs, ils ont sûrement déjà cuit. Non, ils n'ont pas encore fini de cuire, mais on va quand même faire ça, voilà. On pourrait peut-être commencer par couper l'arbre pour nous donner de l'espace. En plus du bois, ben, tu sais, je veux dire, avec le bois, ça pourrait être stylé. Fait que, ouais, on va faire ça. On va mettre aussi. Ouais, on va couper l'arbre. Comme ça. On va couper cet arbre-là. Et puis, ouais, je vais faire environ des épisodes de genre 10-15 minutes. Comme ça, c'est pas des épisodes trop longs. Puis, le premier épisode, c'est ça, c'est un épisode un peu plus plate. Mais dans les autres épisodes, on va avancer. Et puis ça peut vraiment être stylé quoi si on avance tout ensemble et puis qu'on s'amuse tous ensemble quoi. Donc, qu'est-ce qu'il donne cet arbre-là? Faudrait qu'on réussisse à récupérer les pousses pour pouvoir les replanter après. Ce serait quand même assez important. Parce que sinon on n'aura plus d'arbres assez. Oups là, assez rapidement. Ce qui serait un peu. Oh, ok, c'est bon, ça tombe pas dans le vide. Good, good, good. Ok, donc, on va juste péter l'arbre. On va faire, à la place de l'arbre, on va faire notre truc de cobblestone. Un générateur de cobblestone. Comme ça, on aura un peu de cobblestone. Ok, c'est bon, je pensais qu'il tombait dans le vide. Y en a-t-il d'autres bois dedans, genre? Non, ok, ça devrait tomber normalement. On va juste enlever le bois qui est ici. Ça devrait nous donner un peu de bois. Comme ça, on aura un endroit pour faire notre générateur de cobblestone. Et puis, ça va être stylé. Aussi, en fait, ouais. Quand on aura notre générateur de cobblestone, on va améliorer avec notre générateur de cobblestone. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il y a un shop, genre? Ouais, il y a sûrement un shop. Ouais. C'est slash shop, c'est slash les joueurs, en gros. Ok. Slash B, ça fait quoi? Bienvenue à toi sur Skycam. Oh, stylé! Donc, on va faire notre générateur de cobblestone. J'ai jamais fait ça, ok, mais gardez. Ok, donnez-moi une chance. On va y arriver, ok? Donc. C'est parfait, un bon emplacement en plus, je pense, pour le faire. Au plein. Au plein. Boum, on va prendre de l'eau. Et on va prendre la lave. Boum, on va juste mettre ça là pour que ça pousse plus vite. Je crois que c'est comme ça, ok? Je suis pas sûr, les gars. Ok, comme ça. Et puis comme ça. Ouais, voilà. Et là, nous, on a notre. On peut miner la cobblestone comme. Ok, ça a pas fonctionné, puis on n'a plus de lave. Ok. Oh, en fait, on a encore de la lave. Ok, attendez, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire ça, les amis, d'abord. C'est peut-être. Oh. Là, par exemple, je peux pas me faire, sinon j'ai plus de lave. Il là, ça va être.
Bizarre si j'ai plus de lave. Hein. Attends, peut-être qu'il faut faire ça. Faut que la lave elle touche l'eau. Ok, attendez, attendez. What the fuck? Là, vous devez être en train de rire de moi. Là. Comment je pourrais faire pour que ça soit juste l'eau qui bouge pas, puis c'est juste la lave qui touche ça? Ok, je reviens. Ok, avec un petit peu de recherche, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, c'est juste la même chose, mais comme ça, plus loin, normalement. Si c'est pas ça, je me suis fait arnaquer. Normalement, ça devrait être comme ça. NON! En fait, il fallait mettre l'eau comme ça. Puis que la lave, dans le fond, après. Tabarnak. Comment on fait? On n'a plus de lave. On n'a plus de lave, les amis. Oups. quelqu'un vend de la lave. j'ai un peu niqué ma lave. Attends, on peut peut-être être dans le nether. Ah oui, on peut être dans le nether. Attendez, comment ça marche dans le nether? On va aller tout droit ici, puis on va chercher de la lave. On peut pas, toujours pas. No build, zone PVP. Oh shit, on peut se faire tuer ici. Oh, oh, y'a un gars qui m'attaque. Oh non! Oh non! Ouf, les gars, c'est bon, on est en vie, les amis. Oh là là, j'ai eu peur, les amis. Donc, en gros, c'est là qu'il faut mettre la lave, mais après, genre, what the fuck. Oh my god. Ok, je reprends. Ok, j'en ai marre, les amis, regardez. J'ai encore fait de la merde. Bon, what? Ok, bon, donc, je sais qu'est-ce qu'on va faire, ok, écoutez ça. Donc, on va prendre des blocs. Ok, vous êtes prêts? On va faire un trou de deux ici. Voilà, on va mettre l'eau là-dedans. L'eau va pas bouger ici. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre trois tocs. Puis là, on va mettre la lave là. Voilà! Est-ce que ça marche? Oui, mes amis! Regardez! Ah, voilà! Je suis un génie, les amis! Je suis un génie, les amis. Je suis un fucking génie, les amis. Un génie. Vous avez vu ce génie ou pas? Par exemple, on récupère pas la cobblestone. C'est un peu embêtant, parfois. Ah oui, comme vous pouvez voir, c'est comme ça qu'on a des minerais de diamants, etc. C'est comme ça. Nous autres, on veut juste un peu de cobblestone. Si j'arrive à la récupérer, au moins. Pour pouvoir exécuter, agrandir notre île, plutôt. Donc, ouais, ça va être cool, ça va être cool. Ok, on prend ça. Let's go, let's go, let's go. Voilà. Bon, on en a une vingtaine. Ça devrait être bon. On va prendre la sauce, la canne à sucre ici, vu que j'ai merdé un peu le truc. On va juste prendre de l'eau ici. Voilà. On va en remettre ici. Voilà. Ok, regardez. Vous allez peut-être rire de moi, là. Je suis pas un pro, ok? Pardonnez-moi. Comme ça. Donc ça, on peut mettre ça là. On peut mettre aussi tout le bois qu'on avait récupéré. Ouais, on peut peut-être récupérer ça. Recouvrir ça comme ça. Prendre la cobblestone. Ah, désolé. Donc, je vais couper ça aussi au montage. Je suis malade, donc je tousse, les amis. C'est pas cool, vous voyez? C'est très triste, les amis. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Au moins, on a notre petit générateur de cobblestone. Je pense que si on fait ça comme ça, ça va merder, non? Non, c'est bon. Au moins, les blocs, ils vont tout le temps aller ici, de ce côté-là. Fait que ça, c'est good, je crois. Non, ils vont aller dans la lave aussi. Ok, je pense que c'est bon. Bon, on a déjà notre générateur de cobblestone, les gars. C'est déjà un bon début, je trouve. Là, maintenant, il faut voir les channels, etc. Tout ce qu'il faut faire. Donc, on va directement voir ça. Puis ça va conclure notre épisode de découverte. Donc,
Début de l'histoire. Trouver le côté du moulin. Commencer à valider les challenges avec items secrets. Avec. Attends. Vous n'avez pas eu l'objet requis. Ok, faut aller au spawn. Faut aller proche du moulin. Ok. Le moulin, il est là. Ok. Et là, faut faire quoi? C'est quoi que ça disait? Slash challenge? Attends, what the fuck? Faire le challenge avec item. Les objets requis sont enlevés de votre inventaire. What the fuck? Ok, ben, c'est sûrement lui qu'il faut faire. Faut sûrement faire ça. Ok, what the fuck? C'est ça qu'il faut faire? Ouais, faut faire. On va juste attendre, je pense. What the fuck, c'est même ça. Ok, on va juste voir, on va attendre, I guess. C'est quoi, on va se promener ici. Qu'est-ce qu'il veut un autre à faire? Tant qu'il parle. Oh, on peut pas sortir de la map. Ah, c'est juste deux flûtes. Il était plus nombreux, blablabla, nous avons pas eu le choix, nous sommes partis par cette montgolfière. Je vois pas de montgolfière, mais bon, ok. Ouais. Là, j'ai ça. Fait que là, si je fais challenge. Quoi? Ah, voilà! Ah, je me disais bien qu'on avait oublié quelque chose. Bon. Ah, oh, c'était pas compliqué, les amis. Oh, en fait, si, c'était compliqué. J'espère que ça va vous faire rire d'avoir un noob jouer en Skyblock, les amis. Moi, je suis vraiment excité par cette série-là. J'espère sincèrement qu'elle va vous faire plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jouer sur un serveur Skyblock et vous proposer quelque chose de différent que du PvP Faction. Sincèrement, les amis, si ça vous a fait plaisir de voir la vidéo, vous laissez un pouce bleu. Ça me ferait excessivement plaisir. Je vous aime. C'est Tycons. À la prochaine.